disons en passant merci, merci d'être là. Comme vous voyez, nous sommes bien au Grand Canary, à défaut du Sénégal que nous avons programmé vraiment. Et je ne manquerai pas de le dire, franchement, lastminute.com, lastminute.com, bannir à éviter. Le nom Last Minute, certes, c'est à la dernière minute que tu dois t'y prendre, mais franchement, ils ne méritent pas cette dernière minute-là. Ils ne le méritent pas. Ils sont incompétents, complètement. Complètement, et je le confirme, complètement. Parce que là, ça nous est c'est là. Tout au long du trajet, vous voyez, on a beaucoup marché, hein. Donc, beaucoup de souffle, j'ai perdu du souffle. Et nous sommes bien au Grand Canary, à défaut du Sénégal que nous avons programmé vraiment. Ils sont incompétents, complètement, complètement, et je le confirme, complètement, parce que là, ça nous est resté là, là, vraiment. 2 semaines qu'on avait programmé au Sénégal, et bien voilà. On se retrouve au Grand Canary sans l'avoir programmé, alors qu'ils nous ont pris notre argent, qu'ils ont laissé dans les bourses, hein, bien sûr. Je ne vais pas vous le rappeler que lorsqu'ils vous prennent de l'argent comme ça, c'est pour envoyer dans les bourses, pour travailler pour eux. Et toi, tu as ton préjudice. Le mal est fait. Le mal est fait. Certes, ils nous ont déjà remboursé, mais le mal est fait. Le mal est fait. Ils nous ont causé un énorme préjudice et seulement pour ça, je vous déconseillerais d'acheter un billet au travers de Last Minute. Ils ne valent même plus la peine. Certes, à l'époque, c'était une grande compagnie de réservation de billets d'avion et de séjour, mais aujourd'hui, ils ne valent que nada, nada, rien. Ils ne valent rien du tout, rien. Je vais vous raconter dans les petits détails comment cette histoire a commencé pour vous éviter également à vous de pouvoir tomber dans ce panneau-là. Dans ce panneau où nous sommes tombés, franchement, une galère énorme. Il suffit d'aller voir la vidéo, mais on aurait pu pleurer. Mais on est des gens positifs, on est chrétiens, on cultive de la positivité, de la positive attitude, parce que bien sûr, on sait que en tant que chrétien, je crois que toute chose concourt à ce que Dieu a programmé pour moi, certainement. Donc pour cela, voilà. On est resté dans une positive attitude. On est resté avec une attitude positive. Et c'est pour ça qu'on est venu au Grand Canary. Mais pour d'autres personnes, ce serait carrément la fin du monde, quoi. Je veux dire, une aussi grosse déception. Tu as programmé tes vacances et bien voilà... Ils s'amusent comme ça, non seulement avec ton argent, mais en plus avec ton programme, avec ta famille, enfin avec tout quoi. Donc pour cela, ne serait-ce que pour cela, jamais Last Minute est à bannir complètement, complètement. La route continue, on continue par là, on continue peut-être à Las Palmas. Las Palmas, bienvenue Las Palmas. Ici, tu es obligé, si tu veux voir cette merveille-là, tu es obligé de marcher. Et pour avoir cette merveille, pour avoir tout ça, toute cette vue époustouflante, tu es obligé de marcher pour arriver ici. Allez, je vous dis, s'il vous plaît, abonnez-vous. On en a environ pour 1 km de marche. Préparez de bonnes chaussures, hein, pour arriver ici. Parce que c'est assez essoufflant. Essoufflant, essoufflant. Mmh.
De là où la voiture s'arrête jusqu'ici, c'est 1 km environ. La pente est assez raide. Hein. Ouh. Donc bien se préparer à la marche, parce que la pente est très raide. En fait, on peut même aller bien plus à côté, regarde. Voilà, mais dis donc. Tu as beaucoup marché, hein. Tu n'en peux plus. Ah oui, non, mais c'est clair. Il faut bien se préparer ici, hein. Apporter une bonne bouteille d'eau. Passe très rapidement. Et en hiver, 24 degrés en hiver, et on va dire ici. J'ai mis un manteau en fait, hein, parce que là, à partir du bas, il y a un froid, donc bien préparé à se couvrir. Ou alors, bon, simplement venir, sachant que tu vas marcher, tu auras chaud, quoi. Bon, moi, j'ai pas enlevé mon manteau parce que bon, j'ai toujours un peu. C'est les montagnes, donc c'est un peu frais, quoi. Mais la récompense est là, c'est vraiment magnifique. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Mais bien se préparer à marcher. Allez! C'est magnifique, un joli paysage à voir. Il faut marcher beaucoup, ça c'est sûr, pour arriver ici. Quittant des voitures, ici il faut compter 1 km. Donc c'est vraiment, tu vas te régaler une fois que tu es ici en haut, mais il faut te préparer à marcher, mettre de bonnes chaussures. Donc dès là, jusqu'ici, bien se préparer à marcher. Voilà, ça valait le détour. Eh bien moi je suis ravie. Voilà. On marche, on marche, on marche. Mais pour découvrir des merveilles. Le masque en photo. 1 km alors. Oui, enfin je veux dire, c'est quand même extraordinaire d'avoir ça en pleine nature. D'accord, on a beaucoup marché, mais quand tu arrives, tu as quand même une merveille, quoi, de la nature. Dire merci. Thank you.